Cela fait maintenant plus d'une année que notre collaboration a débuté. Ce fut une année mouvementée, mais aussi une année durant laquelle nous avons mis la priorité sur le personnel de la Défense. Et nous nous sommes activés à transformer le département. Het was mede door COVID, maar niet alleen, opnieuw geen gemakkelijk jaar. Ik had soms de indruk dat we van crisis tot crisis liepen dit jaar. Desondanks zijn we er toch in geslaagd om al onze detachementen goed voor te bereiden, de continuïteit van onze operaties te garanderen en ook de redeploy van enkele grote operatietonelen op doeltreffende wijze te volbrengen. Als we alle acties van Defensie overlopen, wordt uw positieve impact unaniem erkend. Zo heeft u meegeholpen om een positief imago van Defensie uit te stralen naar de harten van de burgers. Nous profitons de cette fin d'année pour vous exprimer que nous sommes fiers de votre implication, de votre engagement et de votre dévouement. Vous toutes et tous qui assurez jour et nuit notre sécurité et qui défendez nos intérêts. J'ai pu constater de mes propres yeux aussi que la transformation de notre organisation se déroule comme prévu. L'arrivée des A400M, l'inauguration du nouveau hangar de maintenance de ces avions à Melsbrook, la pose de l'acquis de nos premiers nouveaux chasseurs de mines ou encore le déploiement de l'hôpital de campagne du rôle 2 à Bourg-Léopold n'en sont que des illustrations très tangibles. Aujourd'hui, nous nous tournons vers 2022 avec de belles perspectives, comme entre autres la revalorisation salariale pour l'ensemble de nos militaires, l'amélioration de l'équilibre vie professionnelle-vie privée, le recrutement accru, les investissements dans les infrastructures et le matériel, le développement d'un cyber command et l'actualisation de la vision stratégique qui découlera sur la prochaine loi de programmation militaire. Ten persoonlijke titel wens ik ook even stil te staan bij de 23 collega's die dit jaar zijn overleden. Mijn gedachten gaan ook naar al diegenen onder ons die een moeilijk jaar hebben beleefd. Niet alleen omwille van COVID, maar misschien ook omwille van persoonlijke redenen, van moeilijke werksfeer op de werkvloer of omwille van verwondingen opgelopen tijdens een operatie, tijdens de training of in hun privéleven. Voor wie dat kan, geniet van de vakantie, van de rustmomenten en vooral van uw dierbaren. Voor wie op operatie is of werkt tijdens de feestdagen, ik dank u nogmaals voor uw eindeloze inspanningen. Wees trots op wie jullie zijn en wat jullie doen. Joyeux Noël et bonne fête à vous tous et à tous ceux qui vous sont chers. Je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, amiral. Vous de même, madame la ministre.